Bienvenue dans Sous la couette, le podcast de méditation enregistré sous ma couette. Sous la couette, tout est possible. Alors rejoignez-moi sous votre couette pour oublier la réalité et vous laisser rêver. Installez-vous dans la position qui vous semble être la plus confortable pour vous. Sachez-le, en cet instant, votre confort est votre unique priorité. Fermez délicatement vos magnifiques yeux. Détendez vos épaules. Décontractez votre mâchoire. L'espace entre vos sourcils. Et laissez peut-être un léger sourire se dessiner sur votre visage. Vous inspirez et vous sentez l'air qui entre en vous. Votre ventre se gonfle. Vous expirez et vous sentez l'air sortir de vous. Votre ventre se dégonfle. À chaque respiration, vos inspires et vos expires s'allongent progressivement. À chaque inspire, votre ventre prend un peu plus de place. Vous remarquez comme l'air est abondant autour de vous, généreux, et comme il vous connecte à tout ce qui vous entoure. Portez désormais votre attention sur votre paysage intérieur. Il se compose sûrement de pensées, d'émotions, de sensations agréables et peut-être aussi désagréables. Aidez-vous de cet air parfaitement composé pour vous, pour éclaircir ce paysage. À chaque souffle, les pensées, semblables à des nuages traversant votre conscience, se délitent davantage. Les sensations de votre corps s'apaisent. Vos émotions se font de plus en plus agréables. Vous visualisez un paysage intérieur tranquille, profondément paisible. Il fait si beau à l'intérieur de vous, et vous espérez que ça dure pour toujours. Alors, pour satisfaire votre curiosité sur les événements à venir, vous vous dirigez vers une petite hutte.
vous allez toquer et un double de vous-même, élégamment vêtu, vous ouvre la porte et vous dit « Bienvenue, moi. Je suis ton présentateur météo intérieur. Il paraît que tu souhaites connaître la météo pour les jours à venir. Laisse-moi te compter ta semaine. Tu peux déjà te réjouir car lundi, c'est une journée ensoleillée qui t'attend. La brume matinale laissera la place à un magnifique soleil dès la fin de la matinée. Le ciel sera coloré d'un vif bleu et les rayons de ton soleil intérieur réchaufferont ta peau. Mardi, le soleil restera généreux. Dû à une pratique répétée de la méditation, tu observeras des températures au-dessus des moyennes de saison. La chaleur perdurera du lever au coucher et enchantera ta journée. Mercredi matin, un vent d'ouest bienfaiteur sévira au cœur de ta conscience. Tu profiteras de cet épisode vigoureux pour nettoyer ton paysage intérieur en profondeur. Ça sera l'occasion de te libérer de toute pensée encombrante. Les températures de la matinée seront plutôt fraîches dans le bas de ton corps, mais dès l'après-midi, des valeurs très douces, voire chaudes, recouvriront ce territoire. Jeudi, l'accalmie sera au rendez-vous. Un soleil éclatant éclaircira ton esprit et tu profiteras d'un pic de chaleur dans l'après-midi pour remplir ton système de vitamine D. Vendredi, des précipitations viendront irriguer ton paysage intérieur, annonçant de jolies floraisons. L'après-midi, l'épisode pluvieux continuera, mais rassure-toi, tu profiteras du splendide spectacle des arcs-en-ciel qui se déploieront du bas en haut de ton corps. Samedi, un ciel nuageux animera ta journée. Du matin au soir, tu regarderas les nuages passer et tu t'amuseras à y déceler des personnages, animaux et objets. Des températures raisonnables accompagneront ta rêverie. Et pour finir la semaine en beauté, dimanche, tu trouveras pour la première fois de l'année un désormais rarissime épisode neigeux. Malgré les basses températures, tu seras subjugué par ce paysage enchanteur et te lanceras même dans une joyeuse bataille de boules de neige avec ton inconscient. Je te propose de terminer avec l'image du jour en t'invitant à visualiser un moment qui t'a rendu heureux cette semaine et qui t'accompagnera tout au long des jours à venir. Bonne semaine! Visualisez ce souvenir marquant, plein de joie, et laissez votre corps s'emplir de bonheur. Tranquillement, revenez à votre souffle, à votre inspire, à votre expire,
à votre ventre qui se gonfle, se dégonfle. Gigotez légèrement vos doigts, vos pieds et ouvrez délicatement vos superbes yeux. Je vous remercie de votre présence. Ce fut un plaisir de partager ma fantaisie intérieure avec vous.